Nous sommes de retour, mesdames, messieurs. 450 match. Je t'explique, Phil, c'est pas compliqué. Le premier des deux à faire un 450 de la 3 gagne le combat. Pis faut-tu qu'il lame sur l'autre ou il a juste à le faire pis il s'en va? Non, voyons si tu vraiment ça la question. Ben non. Mitch Thompson, un des, si c'est pas dans le top 3 des meilleurs lutteurs au Québec. Ça va être un combat très excitant. Absolument. Mitch, ce soir, qui affronte un des deux champions par équipe de la TUW. Pis tu sais, tu vas me demander, Phil, pourquoi Mr. VIP, là? Ouais, que je vais te demander? J'aurais pas quoi te répondre. Ah non? Fait que je te demanderai rien? Non, demande-moi rien. Génial. Alors, Spark qui fait son entrée sur les applaudissements de la foule en délire! Une moitié du tag team, de tag team. C'est un tag team, Tony. La moitié des champions par équipe de la TW, là. Ouais, comme Justin vient de le dire, là. Ouais, mais des fois que les gens ne l'auraient pas entendu. Spark qui est champion par équipe avec Ziggy Maggot depuis le dernier show. Parce que Viper, qui malheureusement a dû arrêter pour le moment, indéterminé pour cause d'un hernie discale. C'est très malheureux comme blessure, Tony, ça. Ah, ça fait mal. Ah, je le sais. J'en ai deux. Ben, Crème, t'as le même nombre d'hernies que j'ai le nombre de testicules. Ah, ben c'est bon. Pas pire. Les deux font la paire. Ouais, je sais pas qui a le plus mal. Moi. Ouais, il est où, Ziggy? Ben, il a pas besoin d'être là, Ziggy. C'est un contre un. Pis? Ouais, il aurait pu l'accompagner, mais écoute. Il a peut-être envie. Ça l'intéresse, Mitch, aussi. Il l'a demandé. Il est où? Il a pas besoin d'être là. Spark est capable de faire son match tout seul, là. Bon, ben, moi et Mitch, on voulait le savoir. OK. Quand même très curieux de savoir comment ce combat-là va finir parce que pour les deux lutteurs présentement, le 450 splash, c'est le finish aux deux, là. C'est le marque de commerce aux deux, ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis là, le perdant, tu as encore le droit de s'en servir ou? Oh. Ouais, c'est ça que tu m'avais dit de pas te poser de questions, tu saurais pas quoi répondre. Ouais, c'est ça que je dis. C'est-tu là? Pas déjà? Ouais. Non, je pense pas. Voyons donc, ça vient de commencer, là. Et pour répondre à ta question, Phil, écoute, je vais te répondre avec toute synthèse. Toute ta sincérité, là. Ouais, ça, je vais l'enlever après. Tu vas l'enlever au montage. Pour te répondre avec la plus grande des sincérités, mon Phil, je vais te dire, effectivement, le perdant du combat perd le 450 dans son arsenal. Oh! Fait qu'il y a beaucoup à perdre. Il y a plus que le match. Ben, il y a ton finishing move. Ouais, puis tu sais, un 450, ça fait beaucoup de moves. Mm. La compétition est là. Oui, elle est là. C'est commencé. Ça peut arriver de n'importe où. Je sais que les deux. Ça risque d'arriver du troisième quart, en tout cas. Ben, encore là, on peut rester surpris. Hein? Ah, ouais, un petit surplace, là, sorti nulle part. Je le sais pas. Oh, Spark. On a-tu une blessure à la cheville, là? Il semble se prendre. Ben, c'est ça. La cheville ou le devant de la jambe, je sais pas, là. Des fois, en atterrissant sur nos pieds, on sait jamais, hein. Bien joué de la part de Mr. VIP. Ben, c'est sûr qu'il va en profiter, là. Qu'est-ce que. Je veux dire, Mr. VIP a toujours le don de prendre avantage sur la faiblesse de son adversaire.
Puis il fait bien à part de ça. Ça va être plus dur là ici pour Spark de faire son 450 ben là, oui. S'il manque la moitié d'une jambe. C'est sûr que... En tout cas, on faudrait demander à Martin Deschamps, voir. Vraiment, on va la couper au montage, elle aussi. Oh, je la trouve bonne! Ouais, oui. T'es certain? Ah, ouais, je coupe pas ça! Ouais, pis si tu fais quoi, c'est quelqu'un dans la foule qui il manque un bras présentement? Ben, je vais dire, si t'avais voulu que je coupe ça au montage, tu demanderais à Martin Deschamps, voir s'il aime ça, couper ça. Ouais, la foule qui s'en donne à cœur joie ce soir sur. Sont jaloux. Non, non, je le sais, mais c'est. C'est une gang de vulgaires. Ben, ça va juste donner du power à Mr. VIP. Oui. Il s'en nourrit. Regarde-le, regarde-le aller. Là. Il continue. Parce que là, ce qui arrive, c'est que. Spark, il va avoir de la misère à faire le 450. Là, ah, si, ouais. La foule n'a pas l'air d'apprécier vraiment ce que Mitch est en train de faire. Là. Non. Oh. Esquive de la part de Spark. Oh non, ça, c'était pas une bonne idée, ça. Tu prends pas le pied auquel t'as mal pour frapper l'autre, là? Non, parce que, comme on a pu voir, il a manqué de vélocité un peu, là. Un tantinet, ouais. Un tantinet, ouais. Ouf. Ouf. L'arbitre est rendu en dehors du ring aussi, là. Ah ouais, t'es-tu sérieux? Ben oui. Ah ben oui. Mais, ouais, dans le fond, il n'y a pas de décompte extérieur. C'est un 450 match. Ah, fait qu'il n'y a pas de DQ. Exactement. Bon. Si tu fais pas le 450, dans le fond, il n'y a pas d'autre façon de gagner, là. Où fait qu'ils prenaient leur temps? Ben, ils ont un beau jeu là-dedans, eux autres, là. Ben oui, c'est clair. Dans un cas comme dans l'autre, mais là, avec l'avantage que Mitch vient de gagner en maganant la jambe à Spark... Il ne pourra pas se remettre, Spark, de ça, je pense. Moi. Ah! Ça va être dur. Mais laisse pas ta jambe là, voyons donc. Toutes sont pas. Il est plus capable de la bouger. Mais non, je le sais bien, mais il est pas paralysé jusqu'à la nuque, là. Voyons, Spark, come on, reviens-nous, là. Il dit, va-t'en pas, j'en veux encore. Ah non, je suis pas sûr que c'est ça qu'il dit, moi. Ah non. Ah non, Mitch allait monter ça à 3, c'était fini, là. Il va aller sur ses lèvres, mais on y voit pas la face. On voit quand même sa bouche. Ah, il y a ça. Et ça fait quand même spécial ce soir de voir Mitch et Spark. C'est sûr que là, c'est la jambe à Spark aide pas à la situation, mais c'est quand même deux athlètes incroyables dans un ring de haute voltige. Oui, là, c'est beaucoup plus technique. C'est de l'acharnement, mais c'est de la belle acharnement. Monsieur VIP est très intelligent dans le ring présentement. Ah, c'est sûr, mais à un moment donné, la foule s'impatiente. Je pense sincèrement que Spark ne devrait pas utiliser son pied. Il va finir par comprendre, après moi. Ouais, mais contre-attaque avec ton autre jambe ou tes bras, là, laisse faire le pied que t'as mal. Là. Il est plus capable de se tenir sur son pied, Tony. Ah oui, mais tu vois bien. Ouais, je sais bien, je comprends. Là, c'est cassé, ça. Ah. En tout cas, il y a un petit bleu. En forme de clair. Oh. Ouf. Ouf. Ouais, là, c'est sûr qu'il s'attaque plus juste à la jambe, là. Ça va non, pas non, bien. Non, ça là. Va pas bien. Mais en même temps, Sweet Chin Music avec la jambe qui fait mal. Ouais, en plus. Aïe aïe, j'aimerais. Ouais. On va demander à l'équipe. Faut que je revoie ça. On va demander à l'équipe. Je veux absolument revoir. Si je me trompe pas, le Mitch, le haut. Oh, ouais. Ouais, go, là. Ah. Ouais, voilà. Je pense que Mitch l'a eu directement sur la tempe, là. Oh! Oh oui. Tu sais que ça a mis fin à certaines carrières dans le monde de la lutte. Il en a perdu son bandeau. Effectivement. Ah, mais là, Spark. Tu sais que c'est comme ça que Goldberg a blessé Bret Hart à la WCW puis que Bret Hart a perdu sa carrière à cause de ça, hein? À cause d'un Sweet Chin Music? Oh! Non, je savais pas que c'est un Sweet Chin. Ah oui. Communément appelé le Super Kick. Je savais pas que Goldberg était capable de lever sa jambe aussi haut.
J'aurais passé un spear avant un super kick. Il est quand même assez souple. Quand même. Moi aussi, je t'en ai fait un super kick il n'y a pas très longtemps à mon magasin. Ouais, mais... À Jésus. À Jésus. Ouais, là, je pense... Spark est vraiment, vraiment mal pris, là. Il semble à bout de souffle, sans énergie. Va falloir que la foule embarque pour l'aider un peu, là. Ouais, ben là, ce qui arrive, c'est qu'en même temps, tu sais, il a essayé de revenir, mais il a pas aidé à sa cause, là. Non. Oh! Il faut le faire pareil, là. Avec une jambe en moins. Ouais, spinning heel kick. Il sert des deux, au moins. Hey, Colin, tu reviens tranquillement. Ça revient. Alors, si au moins il peut se servir des deux jambes en même temps, comme il vient de faire deux fois de suite, là, ça peut-être lui donner une chance, là. Oh, il revient à vie, là. Mr. VIP est en bonne position pour manger un 450, là. Ah, quand même. Yep. Il est placé. Il s'essaye, il y va, mais... J'aurais attendu de récupérer un peu plus. Ouais. C'est là que ça se passe, Tony. Ben là, moi, j'ai l'impression qu'il va prendre son temps un peu, parce que c'est pas évident de monter sur la toit avec une cheville maganée de même, là. Mr. VIP se relève tranquillement pendant ce temps-là. A l'air étourdi un peu, là. Oh, mais... Oh! Ça a pas dû aider. Backflip à l'extérieur, et on remarque... Est-ce qu'il y a des tapis? Non. Directement sur le ciment, mesdames, messieurs. Directement. Ben, en fait, je sais pas si c'est du ciment, là. C'est peut-être un plus genre de terrazzo. Un bois recouvert d'une certaine molécule quelconque. Chose certaine, c'est dur. Effectivement. Oh, là. OK, ouais, ça, on peut y donner. C'est une bonne. Tu sais, là, question de revenir. Oui, là, ils vont avoir le temps de récupérer, d'après moi, là, entre les 38 coups de tête sur l'escalier, là. Hein? OK, ref, c'est assez, là. Pas de DQ, mais des limites. Il y a pas de DQ, Phil. Il y a des enfants ici, t'asseoir. Ben oui, mais quand même, tu y pèteras la tête dessus 122 fois. Ça changera pas le fait qu'une fois ou 122. Ben, 122, s'il est en train de manger une chip, une fois, s'il est en train de manger une chip, il manque la fois. Mais là, il l'a pas manqué, ouais, c'est mais sûr. Tu voulais qu'il arrête de le faire, fait que ton argument est pas bon, là. Bon, ben, tu l'enlèveras au montage. Oh, mais là, est-ce que ça serait fini? Là? Mitch est-tu assommé ou pas? Là? Oh, c'est le servir de la... Pas de disqualification, hein? On sait. L'arbitre fait partie de la game. Ah, non. J'aime l'intelligence de M. VIP. Ouais, quand même. Alors, faut y donner que c'était bien pensé, mais en même temps, je suis pas pour ça. Ça reste que c'est quand même de la triche. Oh! Mais dans le vide! Fait que c'est pas bon. Non. Faut atterrir sur son adversaire. Ah ben... Spark me surprend. Il me surprend. Il est encore debout. Il va essayer. Mais en même temps, Spark vient d'un autre monde, hein? Ah, ben là. S'il vient d'un autre monde. Non, c'est encore fait avoir. Ouais, mais. Là, on ne sait pas ce qui peut se passer, là. C'est à trois comme ça, là. C'est dangereux. Ça peut se passer d'un bord comme de l'autre. Puis là, je te parle pas juste des personnes qui se situent à trois, là. Je te parle. Ça peut se passer par en arrière comme ça peut se passer par en avant, là. Effectivement. Je sais pas pourquoi tu ris. J'espère que l'arbitre s'en mêle pas. Et les coups sont donnés à cœur joie, pareil, hein? Les coups d'avant-bras directement dans le visage. Oh! Coup de boule! Coup de spark! Hey, c'est-tu là que ça se passe? Tasse-toi, Mitch! Et Spark qui y va avec un 450 splash! Ah ben j'en reviens pas! Il a gagné le combat! J'aurais jamais dit ça! Ah non! Non, il a bien travaillé par exemple, faut lui donner! Yeah, wow! Il était chanceux là! Hey, regarde la reprise en plus! L'équipe qui fait un excellent travail! Très bien exécuté! Ouf. Honnêtement! Hey, ça a pas dû faire du bien ça! Non! On peut voir la déception de Mitch. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Oh, encore la lumière? Pas sûr de comprendre, là. Ah. Spark pis Mitch qui sont encore dans le ring. Qui pourrait vouloir se mêler de ce qui vient de se passer? Ben là, si je me trompe pas, c'est la musique à Johnny the Star, ça. Ah! Oh, mon dernier adversaire!
Un combat un contre un. Tu sais, le dernier show, en fait, de Johnny s'est écroulé au tapis dans le ring. On n'a jamais su encore c'est quoi qu'il y avait eu. Là. J'ai tout vu ça aller. Gros malaise. C'était vraiment inquiétant. Il est sûrement là pour nous tenir au courant de la situation. Là. Mais pourquoi choisir le moment là de sortir? Là? Si je me trompe, il habite pas à Thetford, mais c'est un gars de la place. Ouais, c'est un gars de la place, effectivement. C'est sûr qu'à quelque part, les gens de la place se posent la question qu'est-ce qui est arrivé, parce que... On va peut-être le savoir, hein? Mais c'est qui, ça? Ben, moi, il a besoin d'un bodyguard. Il me dit quelque chose, ce gars-là. Pour ceux qui étaient là au dernier show, je sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé. Effectivement, oui. On s'en rappelle. T'as peut-être pas tort. Il a l'air quand même assez émotif, là. Je suis pas sûr qu'on va avoir une bonne nouvelle. Puis la foule, elle l'aide pas. Après 20 ans, ce soir, j'ai malheureusement... Ouais, j'ai pas l'air d'être capable de le dire, là. Au moins, c'est fini. Ça regarde pas bien, Tony. J'ai malheureusement pas le choix de vous dire que je vous ai tout bluffé le dernier show, gang d'idiots. Ah! Qui est intelligent? Ah ouais, tu trouves ça intelligent, toi? Aussi ben stupide oui! Stupide que Michael Pez, le capitaine Pez, votre idole, est aussi idiot que vous autres qui a cru à blessure. Mais regardez, j'ai rien! Il y a même quelqu'un d'assez brillant ici qui a eu. Qui a appelé une ambulance. Oh. Avez-vous vu comment la sécurité et comment M. Icon ont géré ça en me traînant? Si j'avais été blessé pour vrai, là, c'est que ça serait passé, hein? Ouais, on commence à m'insulter en plus. En train de tout croche. Ouais, ben là, t'as rien à voir là-dedans quand même. La queue, vous l'avez. Gère très bien, ces gars. Bravo, Tony, une chance, j'étais pas blessé pour vrai. Excuse-moi, mais je pense qu'on s'arrange du mieux qu'on peut mais avec les situations comme ça. Mais, monsieur, bon, je pense qu'on va remettre. Changé ma vie. T'en prends un, hein? Monsieur Victor. Hey, je l'ai déjà vu dans la foule, lui, dans les derniers shows. Ça se peut, hein? Moi, ça me dit de quoi? Oui, monsieur Victor. Oh, mon Dieu. J'ai le blé. J'ai les poules. J'ai tout ce que je veux. Ah? Tout. Et maintenant, j'ai décidé de me payer un champion. C'est Johnny. Oui! Mon ami Johnny, c'est mon pote dans les petits bonhommes. Il vous a tous tupé, Thetford Mines. Non, c'est où ce qui sort, lui? Vous n'avez pas honte? Aucune idée. Mais c'est scandaleux. Vous êtes consanguin ou quoi dans les petits bonhommes? Répondez un peu à ma question. Je pense qu'on... Je vais me renseigner sur ce gars-là, mon fils. Ah oh oui, parce que... Un motard qui parle comme un poète. J'ai rarement vu ça. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai maintenant mon champion. Je le paye, je fais ce que je veux. Et... Ah. À nous, à victoire dans le petit bonhomme. Je savais que c'est une question d'argent, Phil. Tout le temps une question d'argent. Ça en est insultant, là. Quoi tu penses ici? Pris que tu me payes. Ça, je suis là. Ouais, justement, je suis surpris que tu sois là. Le sport qui a l'air de se demander qu'est-ce qui se passe avec Johnny. Ça va mal finir, Tony. Tu penses? Oh! Et voilà! Le cutter... Je suis déçu. Pour vrai, Phil, je suis déçu, là. Je te comprends, mais c'est une stratégie comme un autre. Ça fait partie du grand monde de la lutte, Tony. Ah, les gars qui vont se mettre ensemble ouais. Pour attaquer Spark, qui est déjà assez magané de même. Ça, c'est cheap. Oh! Qu'est-ce qui se passe, là? C'est quand il arrive. Ah, encore les lumières, là. J'étais sûr qu'il allait arriver quelque chose. Encore sur la même jambe. Oh! Ça cognait pas. Mais c'est Ziggy, ça. Je me demandais aussi pourquoi il venait pas, là. Le Mitch qui semble... Ça, on va se poser des questions. T'es sérieux, là? Sérieusement? T'es sérieux, c'est qui? T'es sérieux? Hey! OK, là, je viens de comprendre. T'es dit alors que tu disais pas un mot! Tu restes là! Tu dis pas un mot! Est-ce que c'est clair? Il a enfermé Ziggy, le partner à Spark. Hey! Qu'est-ce
je te dis que c'est assez, là! Je t'ai dit de rester tranquille! T'arrêtes de nous déranger! Wow! Oups, on va mal finir, là! Pauvre Mitch Thompson! Qui... Oh! Là, je pense que ça va pas bien pour lui, là. Non, 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 j'ai hâte de voir comment il va sortir de là. Ziggy qui sort de son... De son trou. De son trou ou de sa chambre. Oh, et là, qui, c'est pas Ziggy, t'as Spark dans le ring avec Johnny, c'est pas le temps d'aller pisser. Johnny se demande ce qui se passe, là. Ben, au moins, il a l'air perdu. Il m'a dit, Spark est safe dans ce temps-là, mais... Ah, c'est ça, il allume, là. Ah oui. Bon, la porte! Elle est barrée, la porte! Ah ben. C'est parce que ça, c'est les clés de la TUW, là. Oh, va falloir t'aller chercher tantôt! Je vais demander à quelqu'un, je pense. Oh, et là, la musique se fait entendre de Ziggy McGott, qui, je pense, ne tardera pas à sortir. On va aider son partner. Absolument! Et là, Johnny qui est en mauvaise posture, là. Il la trouve moins drôle, c'est certain. Ah ouais, je suis pas mal sûr. Des fois, on pose des gestes, mais pas rare qu'on le regrette, là. On pense pas à tout. Mm-mm. Là, Ziggy qui aide son partenaire, champion par équipe, hein. Oh, c'était le temps qui arrive. Oh oui. Et Ziggy, fidèle à son habitude, qui accuse Johnny de ne pas être gentil. C'est vrai qu'il est pas très gentil. Ben, ça se fait pas, ce qu'il vient de faire, là. Il vient, c'est un gars qui vient d'ici, puis il vient de trahir son peuple au complet, là. Ouais, mais il est parti, il y a quelques années. Le sentiment d'appartenance doit être moins là, peut-être. Ouais, c'est sûr que... Quand tu penses à ça, tu sais, 123 heures de route de chez vous, je pense que la trahison était déjà faite dans ce temps-là. Là. Et voilà. Tout ça pour une fille. Mais tout est bien qui finit bien. On peut voir sur le ring les champions par équipe de la TUW qui célèbrent ici ce soir avec les fans. Absolument. Et ça promet pour cet été, mesdames, messieurs.